Eh bien, salut à tous les amis, c'est Delwes, et aujourd'hui on se retrouve sur Just Cause 3. Alors, pour le premier épisode, on était rentré à la maison, on avait affronté quelques rebelles, on s'était baladé sur un avion avec un bazooka, et on détruisait tout ce qui nous passait sous la main. On a rencontré Mario, on arrivait ici, et on a rencontré Dima, une femme un peu bizarre, même très bizarre. Donc, pour la prochaine mission, logiquement, on va améliorer ce petit grappin. C'est parti! Planer avec style, combiner vol en parachute avec grappin et souris 2 pour catapulter gracieusement dans les airs. Ah, oh, c'est une opération dangereuse, la rébellion à Medici. Suis-moi, je te montre un truc sans aucun lien avec des clones. Allez, viens. C'est un nouveau modèle, on va commencer le test en situation. T'as bien ton parachute? Oui. Bien, je suis ravie qu'on ait pu réduire le taux d'échec catastrophique. On a été prudent, précis, très attentif, pas comme... Dima. Rappelle-toi le Guatemala. Je ne suis pas faite pour le terrain, mais tu m'as sauvée. Après cette histoire-là, on m'a chargée d'étudier le bavarium qui n'existe qu'à Medici, c'est étrange. En plus de ses propriétés magnétiques, le bavarium, une fois raffiné, devient un explosif puissant ou un intéressant carburant mal utilisé. Oh, Rico, il est mal utilisé. T'inquiète, on va arranger ça. Je sais que je peux compter sur Mario, Dima. Et sur toi? J'ai commis beaucoup d'erreurs, Rico. Le pardon commence par l'action, Dima. Oui, mais je... Fini les excuses. Je vais t'aider. Je te retrouve à l'avant-poste, Guardia Alpha. Tu m'aideras à tester un nouvel équipement. Ouvre ton parachute. Mais ça, y a pas de problème, je sais faire. Youhou! Bien. Recommence pour voir. Pas de problème. Écarte la chance et débute bien. Maintenant, viens me voir à Guardia Alpha. Ce qu'on appelle la technique du ninja attardé. Oh, Franck! Utilise ton grappin avec ton parachute. Ça, c'est ce qu'on appelle la technique du mec Prépare-toi pour padoué. prendre de l'élan. C'est comme s'envoler. Ouais, t'inquiète, je connais, juste j'ai un peu fait le con. Voilà, tout va bien. Hop, la technique ninja. Salut Dima. Ne reculez devant rien, une fois la modification main stable activée. Oh, autant pour moi. Attends, attends. Quoi? Bien. Ah, explosion évitée. Une explosion? Ah, aucun danger. Est-ce que ça va? Ah, oui, bouge. Très bien. Je serai là pour t'aider en cas de problème de conception. Hein? Tu n'as pas peur de voler, dis-moi. Mais non, un agent acrophobe. Ridicule. Ah, c'est des rebelles. Bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, la technologie est en marche. J'ai mis à jour ton grappin. Ah, le risque de démembrement a été réduit. Tu peux relier deux objets et rétracter. En fait, ton ami Mario aimerait qu'on le baptise Archan 03. Mais je ne pense pas que le service juridique approuverait. Guardia Alpha semble être un bon point de départ. On pourrait détruire cette porte. Oui, ça te permettrait d'accéder à l'avant-poste. J'ai remarqué que les rebelles avaient du mal à escalader les clôtures. Le régime alimentaire, peut-être? Je sais que vous avez beaucoup souffert, mais là, ça change absolument tout. Avec cet appareil, je peux détruire entièrement l'avant-poste, sans aucune balle. Alors ça, c'est cool. Détruire un avant-poste sans aucune balle, le kiff. Ok, donc lancez le lien. Et je l'attache là-dessus. Et mage pour rattraper. Ça a Ah, marché. Je excellent. fonce. Excellent, excellent. Je dois faire quoi maintenant? Ah, V détacher le lien.
Attends, mais non, mon gars. Mais ça a réussi à les détruire ensemble. Oh, mon gars, la puissance du grappin, quoi. Ouah, je vais me casser d'ici, c'est dangereux. Attention, rétraction. Oh. Attends. Si je raccorde. Oh fuck. Excellent, ça s'était détruit tellement facilement. Une sur trois zones habitées libérées. Didi Ravello perd le contrôle de cette province libérée. Dernière zone habitée pour la libérer entièrement. Putain, j'ai tout démonté. Oh le délire. Rétractation disponible. Et aussi, j'ai à nouveau besoin d'un peu d'aide. J'arrive. Attends, t'es où? Mais t'es juste là. Mais qu'est-ce que tu fous là-haut, toi? Non, attends, on va peut-être apprendre la wingsuit. Si on a la wingsuit, ça serait tellement le kiff. Art, hein, sautez pas. Ok. C'est du travail bâclé. Ah, oh, le pare-feu est un vrai gruyère. Est-ce que ce réseau aurait été créé par des babouins? N'importe quoi. T'aurais pu juste crier. Une attaque est imminente, les forces du général approchent. C'est une frappe de représailles, pour hier soir. Les rebelles sont en danger, ils vont être submergés par les unités ennemies au sol, c'est tragique, mais excitant. Enfin non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, oublie ça. C'est juste l'occasion rêvée de tester ma dernière invention. C'est quoi? On peut éviter un désastre. Lève-moi les bras, comme ça. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Yeah, la wingsuit. T'as une wingsuit. Toi qui aimes planer? Tu devrais t'approcher du précipice. Vole jusqu'au pont. Pourvu que ça marche. C'est rassurant. Tous les deux, Rico. Il faut qu'on arrange tout ça. Génial, la wingsuit. Wingsuit. Laisse pas sauter de la falaise. Comment on monte? Pas dégueu cette wingsuit. Hop. Allez, merde, mauvais bouton, autant pour moi. Yeah. Je te l'avais peut-être pas dit, je t'ai donné un prototype, le GE-64. C'est un explosif à poser, à base de bavarium. Ah bon? Dans ce cas, je vais commencer par le pont. Attends, bermage. Merde, autant pour moi, ce n'est pas ça. Hop. Hop. Je vais essayer de prendre de la hauteur. Ah oui, mais c'est pas que un peu de hauteur que tu veux prendre. Ne traîne pas. Je suis prêt pour le convoi. Où est-il le petit convoi, hein? Maintenir R. Ah d'accord, autant pour moi. Attention. Les hommes de Ravello vont rien comprendre. Et boum. Et hop, ils sont tous morts. Pense à lancer une répartie comique dont tu as le secret, ou plutôt... Attends, je détecte des hélicos en approche. Oh. Alors ça, c'est pas T'as cool. deux batteries de missiles solaires à proximité, je t'indique leur emplacement. Tu devrais les reprogrammer. Et hop. Maintenant, salut. Accède au panneau de contrôle du missile. Attends. C'était pas prévu dans mes plans, ce petit homme. Petit piratage au KLM. En
qu'on appelle le talent, ça. Putain, à chaque fois j'oublie qu'il y a un mec. Oh bah. Hop. La mort nulle. Oh putain, la mort nulle. Bon, il est bien mort au moins. Voilà. Putain, la mort nulle qu'il a eu. Oh le pauvre. Ça devrait aller. Je me suis fait de nouveaux amis. Putain, ils sont cool tes nouveaux amis. Je les kiffe. Bon. Faut pas être plus rapide les hélicos. Allez. Est-ce que je peux chourave un hélico moi? J'ai envie de chourave un hélico. Oh bah ça va pas trop être possible apparemment. Moi qui voulais chourave un hélico. Bon travail Dima. Je me suis fait mal. Mais quel con. Et merci de m'avoir servi de cobaye. Mais tout le plaisir pour moi. Ok, à plus. Ah, c'est tout. D'accord. Oh. Allô, c'est moi, qu'est-ce Mario, foutu, toi Mario Frigo. Tu te rappelles où habite ma grand-mère, hein? Elle nous prépare à dîner. Faut que tu viennes, et puis... Terminé. Où est-ce que t'as trouvé une radio, Mario? Je vous jure que c'est un accident. Je vous jure. On en a tous une. Hé, hey, Rico, faut que tu dises terminé à la fin. Terminé. On Terminé. Bon. Fais pas pour cette histoire de radio. Mais déjà au fourneau. Sois pas en retard. Terminé. Il reste 4 minutes. 3 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas aller écouter Mario. Ah, mais c'est chez moi. Mais c'est faire le con. Oh, j'ai déjà trouvé un bon truc pour faire le con. Ah non, mais non, mais je voulais pas que tu fasses une cinématique, moi. Je voulais juste chourave la voiture. Bande de connards. Attends. Ok, non, non, on fait ça. Mais non. Ok, on va passer. Et je vous dis, on fait ça dans le prochain épisode. C'est mort. Donc on passe à la cinématique et puis on va quitter la mission. Comme ça, on la recommence à un prochain épisode. Moi, je veux juste une bagnole. Bande de ouf. Quoi? Non, attendez, non, quoi? Mais quoi? Wait, what? Attendez, attendez, attendez. Quoi? Content de te revoir à Medici. Bon bah je suis désolé les amis. Alexia, j'ai passé la vidéo mais apparemment fallait pas. Ah tiens, c'est B pour regarder en arrière. Tu voulais libérer la ville de Manéa et détruire la centrale. Je suis désolé, c'était pas prévu que la vidéo se passe. Enfin que c'était pas prévu que la mission se fasse comme ça. Moi ce que je voulais faire c'était ça. Yeah. Aïe. Non, j'allumerai pas la radio maintenant. J'ai dit dans le prochain épisode. Et on se jette en l'air. Et je vous dis, j'espère les amis, que cet épisode vous aura plu. Sur ce, je vous dis portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao. C'est ce qu'on appelle le talent, ça.